monde, c'est Icidia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, pour la toute première vidéo de cette chaîne. C'est un petit peu la vidéo qui inaugure cette chaîne. Alors, je suis jailbreaké sous iOS 8.4 sur mon iPod Touch 5. Et je vais, comme c'est la première vidéo, je vais un petit peu vous présenter mon iPod. Enfin, tous les tweaks que j'ai sur mon iPod. Alors, on se retrouve dans mes réglages. Je vais descendre dans la section de mon tweak. Alors, mon tout premier tweak, c'est Activator. Il s'est téléchargé car j'ai dû télécharger Record My Screen. Record My Screen me permet de record, enfin de filmer en gros mon écran d'iPod. Alors, Activator qui permet de créer des gestes. Donc, en gros, imaginons quand on fait un double tap sur la barre de statut, ça va ouvrir le centre de contrôle. Moi, je l'utilise pas trop parce que souvent je fais les gestes sans faire exprès. Et ça fait souvent bugger des fois mon iPod. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur iPod 5, ou même sur tous les iPods, je pense qu'on ne peut pas voir le pourcentage de la batterie. Mais grâce à Cydia, j'ai pu le faire. Donc, batterie pourcentage iOS, enfin, j'ai rien à dire dessus. Il me permet juste de voir ma batterie. Cdown, qui permet d'avoir tous les tweaks payants gratuitement. Je vous ferai une vidéo dessus dans pas longtemps. Et Link Store, c'est un petit peu pareil que Cdown, sauf que ce sera sur l'Apple Store, donc qui permet d'avoir toutes les applications payantes gratuitement. J'ai Local iApp Store, donc en gros, Local iApp Store permet de débloquer tous les achats in-app. Donc en gros, comme les jeux, Stickman Downhill, imaginons on voudra acheter un vélo ou des trucs comme ça, et ben on fait comme si on achète, on fait annuler, mais on l'a quand même. Mais bien sûr ça ne marche pas sur des jeux comme Clash of Clans, donc Local iApp Store qui permet de débloquer tous les achats in-app. Donc Phantom c'est pour Snapchat, je ferai rien dessus. Record My Screen, donc comme j'ai dit c'est pour record mon écran d'iPod Touch. Slide to Kill 8 Pro, donc en gros quand vous avez ouvert beaucoup d'applications et vous faites le multitâche, vous avez beaucoup de cartes d'applications, vous devez tous les glisser vers le haut et je trouve que c'est vraiment chiant, surtout quand vous en avez beaucoup. Alors là, on va faire un double bouton, enfin un double clic pour aller sur le multitâche et on va faire glisser l'application vers le bas et ça va fermer toutes les applications. Je vais me rendre dans les réglages. Donc vraiment, elle permet de gagner beaucoup de temps. Et elle est plutôt sympa. Donc Spring to Mize qui permet de de customiser, voilà, on va dire vraiment tout ce que vous avez sur votre iPod, hein, sur votre appareil iOS. Donc vous pourrez modifier les animations lors du verrouillage même. Donc on va changer le style de verrouillage de votre appareil iOS. Donc dans le multitâche, dans le centre de contrôle, dans le dock, enfin tout ce que vous voyez là. C'est vraiment bien, je ferai une vidéo là-dessus dans pas longtemps aussi. Donc je la conseille si vous êtes en iOS 8, c'est Spring to Mize 3, en iOS 7, Spring to Mize 2 et iOS 6, je pense, Spring to Mize tout court. Elle est payante, je pense que ma prochaine vidéo, je ferai comment avoir tous les tweaks payants gratuitement. Vous avez Status HUD2. Donc en gros, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce tour, mais en gros, quand vous lisez une vidéo YouTube, que vous n'avez pas le son que vous voulez en mettre, eh bien vous avez le gros pavé du son au milieu de l'écran qui gêne un petit peu et qui reste là pendant quelques secondes. Je trouve ça assez chiant. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre du son normal, hop là, et vous voyez qu'en haut, le son s'affiche simplement et il va repartir au bout d'un moment. Voilà, il est déjà reparti, donc je trouve ce truc vraiment assez bien, c'est Status HUD2. Voilà. Stratos aussi qui est vraiment bien, c'est pour le centre de contrôle. En gros, le centre de contrôle va se mettre vraiment, ce sera carrément autre chose que le centre de contrôle de base. En gros, dans le centre de contrôle, vous aurez même le multitâche, ici. Donc vous pouvez le voir, là je n'ai aucune application active, mais en gros c'est le multitâche, hop là vous pouvez voir. Voilà, et en gros vous avez trois catégories, vous avez le multitâche là quand vous lisez une vidéo ou une musique, et là bah, le truc de base, merde, donc la luminosité, attendez deux secondes, la luminosité ici, voilà, et tout ce que vous avez, le mode avion, la wifi, le bluetooth, etc, etc. Vous avez Sweep Selection, donc Sweep Selection sera sur iOS 9 il me semble.
En gros, quand vous écrivez un message à quelqu'un et que vous vous trompez quelque part, enfin dans le mot que vous voulez corriger, avec la loupe, c'est pas vraiment, c'est assez chiant plutôt. Imaginons, on va écrire un petit peu n'importe quoi. Là, normalement, vous devez faire avec la loupe. Je trouve ça vraiment assez gênant et surtout quand vous vous gourrez, vous êtes toujours obligé de refaire la loupe. Alors que là, vous faites directement avec, vous déplacez le curseur avec le clavier. Hop là, comme ça, donc là ça lag un petit peu, normalement c'est super fluide, mais bon, dans ma vie c'est parce que je suis en train de filmer. Et pour supprimer, c'est pareil, vous commencez de là où on supprime normalement, vous restez appuyé et vous glissez sur le clavier, hop là. Donc, Soup Selection, je trouve que c'est un truc vraiment bien. Vous avez aussi le dernier truc, Winterboard, qui permet de mettre des thèmes quand vous installez des thèmes. Moi je n'installe pas vraiment de thème, au bout d'un moment ça fait toujours bugger, puis ça me saoule toujours au bout d'un moment. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu et j'espère que cette chaîne vous plaira. Surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour voir tout du contenu sur Cydia et si surtout t'es débriqué. Moi je te dis à la prochaine et porte-toi bien, allez salut.